etelemi na libanda ya mboka lelo tozali na moboko na likambo tozali vraiment na mission spéciale oyo monsieur Norung Bandaza mboka ba ko intervenir na ngonga oyo 21h ya mboka France 20h ya mboka UK pambate nungu nungu eleki na mboka na biso mwana babota na tembe awumelaka te yango tokozala bongo na ndeko Kerry Winnie Maizo oyo azali bongo analyste politique na libita libongo ya maison ya radio télévision Bendele na kokanga mpenza maloba mingi te pambate toza na ngonga kobungisa te na kozonga mbangu epai ndeko na ngai Kerry Winnie Maizo azali abanda mpenza motula na ye ya yambo ndeko Kerry Winnie Maizo maloba mboka yo. Merci mingi ndeko libita. L'actualité congolaise est très chaude et en même temps douloureuse. Les manifestations initiées par les rapports des forces politiques et sociales acquises au changement ont tourné à l'émeute. La répression des forces kabylistes a provoqué des morts. Le bilan provisoire est de 44 morts, plusieurs blessés et des dégâts matériels. Le point de vue de la majorité de l'opposition politique étant connu, nous allons recueillir celui de la résistance. Monsieur Honoré Mbanda Zambo Koatumba. Bonjour, monsieur Honoré Mbanda. Bonjour, Kerwin. Merci, Mingi Nandenge, Ondini, Koyanolana, Mituna Nabiso, Mingi na Batuya Radio Bendele, Oba, offrir Biso Plateau, pour tout ça, en gros, pour Ndenge, Nalobi, Moukena Français, actualité politique, les années chaudes et très douloureuses. Alors, avant tout, quand tu as vraiment dans mon zingo à la question, il faudrait te poser thèse. Réaction na yo, observation nini, aux alli ko sala, et là on pose la question à Moutou Azali à un œil avisé. Observation nini, aux alli ko sala, na situation d'engueza qu'on s'est déroulé depuis le 19, by emeute, il y a déjà 44 morts. Réaction à chaud na yo, aux alli. Merci, Kairouine. Na question, na question.